Alléluia. Oh Jésus, merci. Bénissons le Seigneur pour le séminaire de la jeunesse qui est en cours, qui aujourd'hui touche à sa fin, c'est l'apothéose, donc le troisième jour. Et Dieu me fait grâce de me tenir au devant de vous. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Bénis ton voisin qui est de gauche, de droite. Bénis-le, dis-lui un mot gentil. Avec un sourire, s'il te plaît. Dis-lui un mot gentil. Avec un sourire.
avec un sourire. Alléluia. Ça fait plaisir, hein? Quand tu salues quelqu'un qui a un visage radieux, ça fait plaisir. Mais quand tu salues la personne, que la personne a un visage serré, je veux dire, c'est pas... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Gloire soit rendue au Seigneur. Bien, ce matin, Dieu a déposé à mon cœur un petit thème que nous allons partager, qui s'intitule le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu. Alléluia. Tous les humains ont des rêves. Tous les humains ont des rêves. Parler de rêve, c'est parler de plan. Parler de rêve, c'est parler de but. Parler de rêve, c'est parler de l'objectif final. Parler de rêve, c'est le plan, la vision que Dieu avait dans son esprit lorsqu'il concevait la chose. Alléluia. La finalité, si vous voulez. Alléluia. Et nous tous, nous avons un jour rêvé, d'autres ont rêvé de devenir médecins, d'autres ont rêvé de devenir des apôtres, d'autres ont rêvé de devenir des juges, d'autres ont rêvé de devenir des grands footballeurs, d'autres ont rêvé. Et d'autres sont en train de poursuivre leur rêve, d'autres sont en train de travailler à réaliser leur rêve. C'est bien. Mais Dieu aussi a son rêve. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi a son rêve. Tel lorsque quelqu'un manufacture un produit, il a un but derrière. Parce qu'il dit que cette chose qu'il est en train de faire est pour quelque chose. Elle sert à quelque chose. Et généralement, chaque équipement est accompagné de ce qu'on appelle une notice qui contient les éléments, qui contient les informations qui vont nous permettre de bien utiliser la chose et de connaître le but pour lequel ça a été fait. Alléluia. Ainsi, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous ici, peu importe la personne, que tu sois jeune, vieux ou enfant. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et il est important de savoir cela. C'est pourquoi regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas le fruit des hasards. Dis-le-lui. Tu n'es pas le fruit des hasards. Même si ton père et ta mère t'ont conçu dans le péché, mais si Dieu a permis que tu existes, c'est pour un but. Alléluia. C'est pour un but. Et tu es là pour quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie et ce que Dieu veut accomplir avec toi. Ça, c'est hyper important de le savoir. Parce que bien au-delà de toute chose, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez avoir tout sur la terre. Mais sans si vous n'avez pas réalisé ce à quoi Dieu vous a appelé, vous allez sentir qu'il y a un vide dans votre cœur. Vous allez sentir qu'il y a une insatisfaction. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous allez sentir que... Il y a quelque chose que Dieu n'a pas comblé encore en vous. Il y a quelque chose. Même les riches le savent. Parce qu'arrivé un moment, quand ils ont l'argent, ils cherchent maintenant à réaliser ce pourquoi ils existent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans Genèse, la Bible dit que Dieu, avant de concevoir l'homme, avant de faire l'homme, il s'est assis et il a pensé. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Vous voyez? Donc déjà, avant même que Dieu fasse l'homme, il avait déjà nourri ce projet avec pour ambition que l'homme puisse dominer. Ça, c'est le plan original de Dieu. C'est le plan original de Dieu. Et donc, Dieu a un plan. Souvent, comme je dis, Dieu a un plan. Le plan de Dieu est écrit avec la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle écrit dans nos cœurs. Alléluia. Elle imprime cela dans notre esprit. Et souvent, il peut arriver que Dieu peut nous transférer cela d'une différente manière. Alors, vous savez, avec la marche avec le Seigneur, Dieu peut nous parler de différentes manières. Dieu peut nous transmettre sa volonté. Dieu peut nous transmettre son rêve de différentes manières. Alléluia. Mais il y a trois questions essentielles que chaque enfant de Dieu doit se poser. Si tu es chrétien, que tu es dans la maison de Dieu, il y a trois questions essentielles. Si tu n'as pas encore, si tu ne connais pas encore ce pourquoi Dieu t'a fait, alors
ces trois questions valent la peine d'être posées dans ta vie. La première question, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est à quoi suis-je appelé? Alléluia. Et la troisième question, c'est comment vais-je y parvenir? Ou bien comment cela va se faire? Ces trois questions sont essentielles pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus, ces trois questions sont essentielles. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alors tu vas te comporter comme monsieur tout le monde. Alléluia. Et si tu sais qui tu es et tu sais à quoi tu es appelé, alors tu vas te distinguer. Tu vas te distinguer. Cela va de soi que un menuisier ne peut pas faire le travail d'un ingénieur architecte de ponts et chaussées. C'est pas pareil. Alléluia. C'est pas pareil. Nous allons lire un texte dans le livre de Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Bien, je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses, et que tu plantes. Alléluia. Alléluia. On va prendre également un autre texte. On va donc lire trois passages. Jean, le chapitre 4, du verset 10 au verset 11. Voilà. Alors, il s'agit ici d'une conversation que Jésus a eu avec la femme samaritaine. Écoutez ceci. Jésus lui répondit. Jésus donc avait demandé à boire à la dame. Et dans la conversation, Jésus va parler à la dame. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Grande question. Alléluia. Et le dernier texte, donc, c'est dans Matthieu chapitre 27, ce qui note, à partir du verset 57 à 60. Alors ici, il s'agit d'un homme dont nous allons parler aujourd'hui. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, puisqu'il s'était fait tailler, il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alléluia. Alléluia. Voici donc les trois textes. Vous savez, souvent la volonté de Dieu
ne vient pas avec le visage auquel on attend. Ne vous en faites pas, on va aller loin. La volonté de Dieu ne vient pas souvent avec le visage sous lequel on l'attend. Souvent, on est figé à attendre Dieu sous une forme. Pourtant, Dieu est venu sous une autre forme. Et souvent, nous ne le reconnaissons pas. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un frère qui voulait se marier. Et ce frère, il regarde dans l'église, mais il ne sait pas qui épouser. Et dans ses questionnements, il priait constamment. Et un jour, il a dit, Seigneur, comme il en est ainsi et que je ne sais pas, alors je vais demander à ce que ta volonté soit accomplie. Mais seulement voici ce que je te demande, Seigneur. Quand demain dimanche, j'irai au culte, la première sœur que je vais saluer, si elle est célibataire, c'est elle que je marie. Et le frère a prié le Seigneur ainsi. Le lendemain étant arrivé, il s'est rendu au lieu de culte. Arrivé là, il a salué et la première personne qu'il a saluée était une sœur. Mais cette sœur était handicapée. Cette sœur avait un problème physique. Et ce frère ne s'est pas souvenu immédiatement. D'abord, vous savez, si c'était d'autres frères, déjà en arrivant, il chante ça, ça est dans son esprit. Dès qu'il voit, hey, c'est ce qu'il esquive la sœur. Oh non, c'est pas elle. Hein? Si c'est pas dans ses calculs, il va dire, hey, c'est pas elle. Non, bonjour. Hein? ou bien il ne salue pas et puis il salue d'abord celle qui vient. Hein? Et puis après, il revient. Excuse-moi, hein, bonjour. Vous voyez? Alors, ce frère, lorsqu'il était sur le point de rentrer dans le temple, il a salué plusieurs personnes. Et c'est là que Dieu va lui dire, hey, souviens-toi de cette alliance, ce pacte, ce lien, ce contrat qu'on a signé. Tu m'as dit, la première personne que je mettrai sur ton chemin, eh bien, c'est la sœur. Il a dit, ah, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. À la limite, peut-être qu'il s'est... il s'est dit, mais quelle bêtise j'ai fait. Peut-être qu'il s'est dit cela. Alors, un jour, alors, quand la situation s'est produite, il s'est mis à réfléchir. Parce que vous voyez, quand c'est comme ça, souvent la tête tourne. Hein? Il y a plein de calculs, il y a plein de choses. Seigneur, non, on s'est trompé. Seigneur, c'est pas toi. Comment t'es-tu? Toi-même, tu sais, Seigneur. Hein? Mais le frère, après prière et intercession, et avoir interrogé le Seigneur, il s'est résolu de prendre cette dernière pour épouse. Ah! Alors, il a officialisé son projet dans l'église. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les sœurs n'ont pas dit? Excusez-moi. Ah! Il n'a pas vu de belles sœurs dans l'église. Hé! Frère, il est aveugle ou bien? Comme on dit chez nous, hein? Excusez-moi, je suis un peu les termes ivoiriens, mais il est aveugle, ils ont crevé ses yeux ou quoi? Et tous ces sœurs-là qui sont là, pépantes, hein? Clean, bien habillées, parfumées, avec les derniers cris de chaussures. Alors, le frère a dit, moi je ferme mes oreilles à tout ça. J'ai parlé à Dieu, c'est ce que Dieu a envoyé, alors je prends. Il a essuyé les critiques, il a essuyé les injures, il a essuyé toutes sortes de... Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, est venu le jour du mariage. Et le jour du mariage, ils sont allés à la mairie. Elle était encore dans sa situation. Hein? Elle était à la limite paralysée, hein, je pense. Et puis, à la mairie, le maire a raconté toute son histoire. Il leur a posé la question. Le oui est sorti. Et le monsieur sur le lui est sorti. Mais avec ça, les gens restaient toujours. Ils restaient toujours dans leur position, disant que le frère s'est trompé. Alors, il est arrivé qu'après donc le programme à la mairie, ils se sont rendus à l'église pour la bénédiction. Et ce jour-là, lorsque le frère et la sœur sont venus devant qu'on devait prier pour eux, alors Dieu va faire quelque chose.
il y avait une telle gloire, une telle présence de Dieu, au point que la puissance de Dieu est descendue sur la sœur. De paralytique qu'elle était, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. C'était extraordinaire. Et la gloire de Dieu a envahi toute l'assemblée. Les gens parlaient en langue, les gens étaient baptisés de l'esprit. Les gens se repentaient. Oh Seigneur, on ne savait pas que tu étais derrière tout ça. On ne savait pas que c'était toi qui orchestrais toutes ces choses. Et là, les gens ont décidé de ne plus voir les choses telles que le monde nous voit. Bien souvent, c'est notre cas. Souvent, nous apprécions avec les yeux physiques. Nous voyons avec les lunettes physiques au lieu de voir avec les lunettes spirituelles. Frère, est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que souvent la volonté de Dieu ne vient pas vers toi et que tu la repousses? Parce que tu filtres tout ce que Dieu présente devant toi à travers les informations et tes analyses que tu as, ton intellect intellectuel. Mets ça de côté, frère. Dans le domaine spirituel, souvent ça ne sert pas. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant suit, un enfant obéit. Un enfant est quelqu'un qui ne se plaint pas. Un enfant qui attend. Si tu lui dis, attends-moi là, je vais te donner une voiture. Même si c'est qu'il sait pas, il n'a pas le permis, il va attendre. Voyez, si vous voulez suivre Dieu, souvent, il faut être bête pour suivre Dieu. Parce que quand on est intelligent, on fait trop de calculs et ça ne marche pas avec Dieu. Dieu n'est pas 1 plus 1. Alléluia. Avec Dieu, vous allez voir 2, mais vous ne pouvez pas questionner 2 parce que 2, c'est le résultat. Alléluia. Mais vous ne savez pas comment Dieu a fait pour que 2 est arrivé. Pour vous, vous allez voir 1 plus 1. Peut-être que Dieu a fait 5 plus 10 pour que ça donne 2. Tu ne sais pas comment Dieu fait son calcul. Alléluia. Tu ne sais pas comment Dieu accomplit les choses. Demande-lui, il te dira, demande-lui, il te révélera ce qu'il fait. Il te remontrera comment il arrive. Mais toi, ta petite pensée ne peut pas capter toute l'essence et toute la plénitude de Dieu. Voici Ézéchiel. Dieu s'adresse à Ézéchiel. L'Esprit du Seigneur a une conversation avec Ézéchiel. Ézéchiel dit, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Et Dieu va lui dire, hey, arrête de dire ça. Mais bien avant ça, Dieu va lui rappeler une chose. Avant que toi-même tu ne naisses, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Penses-tu que Dieu ne te connaît pas? Hein? Est-ce que c'est ce que tu penses? Penses-tu que Dieu ne te connaît pas? Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas le fruit des hasards. La Bible dit que Dieu a dit à Ézéchiel, je te connaissais avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Ça veut dire que si tu as pu naître, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et donc, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et de la même façon, Dieu a voulu que tu naisses, il y a un projet qui l'accompagne derrière. Il y a un projet qui suit. Alléluia. Il y a un projet qui suit. Voilà pourquoi Dieu nous dit, dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la seule personne capable de donner un avenir avec de l'espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autres peuvent te donner un avenir, mais ils ne peuvent pas te donner de l'espérance parce qu'ils vont te perdre. Mais celui qui va te donner un avenir, mais qui tombe par lequel que tu seras, même que tu seras dedans, tu ne te perdras jamais, mais tu auras la foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le monde souvent veut nous proposer des contrats contre des relations sexuelles, contre des pervertissements. Mais le seul qui va nous donner un avenir et qui garantit en même temps l'espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu va lui dire, non, ne dis pas que tu es enfant. Oui, bien-aimé, beaucoup parmi nous en réalité sont comme Jérémie. Ils se considèrent comme des enfants. Être enfant n'est pas forcément le fait de l'âge, mais c'est aussi le fait de l'attitude, la conduite. Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, mes frères, on le trouve dans le temple
Et il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Un enfant, c'est quelqu'un qui est toujours assisté. Un enfant, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de la responsabilité. Mais Jésus, déjà étant enfant, il avait le sens de la responsabilité. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu es physiquement qui compte, mais c'est ce que tu as en toi qui compte. Alléluia! Parce que Jésus, à 12 ans, déjà, il avait en lui l'esprit de grandeur. Il avait en lui la vie de Dieu. Alors, il était capable de prendre soin des choses du Seigneur. Est-ce que toi, tu te considères comme fils ou comme un enfant? Parce que les fils prennent soin des choses du Père. Mais les enfants continuent de jouer à terre. Et continuent de se faire assister. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors, quelque chose va se passer. Quelque chose va arriver. Dieu va lui dire, non, ne te considère pas comme ça, parce que ce n'est pas comme ça que je te vois. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Alléluia. Est-ce que tu te vois toujours petit? Ou bien est-ce que tu vois qu'en toi, il y a quelque chose de grand? Alléluia. Vous savez, dans Jean 4, qu'on a lu, donc du verset 10 au verset 11, vous devez savoir une chose, c'est que si tu savais qui veut marcher avec toi, qui veut bouger avec toi, mais tu ne serais pas, même pas en train de traîner, tu ne serais même pas en train de t'amuser. Voici la femme samaritaine qui, Jésus va vers elle et lui demande à boire. Et elle est étonnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les samaritains et les juifs. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas énumérer, qui est aussi peut-être une autre étude. Mais, voyez-vous, elle s'étonne que Jésus parle avec elle. Elle s'étonne que Jésus lui demande à boire. Et Jésus va lui dire une parole très forte. Si tu savais qui te disait, donne-moi à boire. Toi-même, au lieu que tu te presses me donner à boire, tu serais en train de lui demander, donne-moi à boire. Parce qu'il est la vie éternelle. Si tu savais qui veut marcher avec toi, si tu savais qui t'appelle, si tu savais qui a ses projets pour toi, frère, tu serais même en train de courir après le Seigneur. Tu serais en train de chercher la face de Dieu. Tu serais même en train de te consacrer. Parce que celui qui a des projets pour toi ne ment jamais. Celui qui a un projet pour toi ne s'est jamais trompé. Si tu savais qui te demandait de marcher, qui te demandait, lève-toi. Qui te disait, lève-toi et marche. Lève-toi et évangélise. Lève-toi et prie. Lève-toi et gagne des âmes. Lève-toi et fais ceci. Frère, il est plus grand que tous les princes de ce monde. Il est plus grand que tous les rois de ce monde. Les princes ont existé, mais aucun d'eux ne l'a égalé. Les hommes sont passés. Les rois sont passés. Les principautés sont passées. Le ciel et la terre passeront. Mais lui, il reste éternellement le même. C'est lui qui a formé toutes choses par sa parole. C'est lui qui a dit que la terre soit. Et la terre n'a pas hésité. Elle fut. Elle a obéi immédiatement. Il est celui-là qui dit et toutes choses existent. Frère, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu-là? Si tu savais que c'est celui-là qui te parle, si tu savais que c'est Dieu qui a établi toutes choses, alors pourquoi doutes-tu? Alors pourquoi t'amuses-tu avec ta vie? Elle est trop sérieuse, l'histoire. Alléluia. Ce matin, Dieu veut bouger avec toi. Je parle à quelqu'un ici. Ce matin, Dieu veut renouveler son alliance avec toi.
ce matin, Dieu veut te parler. Vous savez, souvent Dieu transfère sa vision ou son plan à l'homme, mais pas des songes. Dieu transfère son plan, mais pas des songes. Ainsi, vous allez voir qu'il s'est révélé à Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans, il a eu cette vision où il se voyait déjà grand. Il avait le sens de la responsabilité déjà. Il avait le sens aigu de la responsabilité. C'est pourquoi il y a des fois des songes qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais parler à quelqu'un ici. Tu fais souvent des songes et dans lesquels tu te vois en train de prêcher ou prophétiser. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et ce que tu vois dans ton songe s'accomplira à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est le rêve que Dieu a pour toi. Alléluia. Alors, Dieu peut souvent envoyer quelqu'un pour nous parler. Dieu peut nous parler par personne interposée. Il peut envoyer quelqu'un pour venir te donner une prophétie. Oh, je me souviens, il y a quelques années, dans les années 2000, pendant qu'on priait, il y a une dame qui est venue me donner une prophétie. Et toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Alléluia. Et avant même que je sorte du pays, il y a une autre prophétie encore qui a dit, tu vas aller dans les nations, tu seras ici, tu seras là. J'ai béni Dieu. Et j'avais même pas un passeport. Alléluia. En ce temps-là, j'avais même pas un passeport. J'étais encore au lycée. Dieu peut te parler dans ta jeunesse. Et c'est dans la jeunesse que Dieu te parle généralement pour te préparer aux défis futurs. Mais la seule condition pour voir ces choses se réaliser, c'est de marcher selon la voie du Seigneur. Est-ce que tu marches dans les pas du Seigneur? Telle est la grande question qu'il faut se poser. Dieu a un but. Pour Jérémie, Dieu l'a appelé pour qu'il soit un prophète. Et je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui sont appelés à exercer le ministère de prophétie parmi nous. Aujourd'hui, Dieu ne va pas te louper. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont appelés à manifester, à exercer le ministère d'évangéliste. Aujourd'hui, l'Esprit viendra sur toi pour t'équiper en fonction. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés à exercer dans l'enseignement, dans le ministère de l'aide, dans tous les différents domaines. Le Saint-Esprit viendra te donner ce dont tu as besoin pour opérer dans une dimension spirituelle. C'est Dieu qui équipe. Alléluia. Mais aussi, il y a des gens à la dimension de Joseph d'Arimathée que nous avons vu. Joseph d'Arimathée, la Bible dit, il était un riche. Il était un riche. Qui a dit que le royaume des cieux est fait que des pauvres? Il était un riche, mais la Bible dit qu'il était disciple de Jésus. Il n'a pas dit un suiveur de Jésus. Il était disciple. Ça veut dire qu'il a laissé sa vie être discipliné par Jésus. Est-ce que tu laisses Jésus discipliner ta vie? Et Joseph d'Arimathée se lève. Et il va voir Pilate. Il dit, donne-moi le corps de Jésus. Les gens venaient de tuer le Seigneur. Et ils ont mis le Seigneur dans le tombeau. Ils ont gardé le corps du Seigneur. Il arrive et il dit, donne-moi le corps du Seigneur. Pilate le regarde, il ne discute pas, il donne des ordres. Dieu va élever dans les derniers temps des gens influents. Dieu va élever des gens influents. Qui ne laisseront pas le corps de Christ dans la main des païens. Qui iront arracher des âmes. Qui iront arracher des âmes. Sache une chose. Quand Dieu transférera des richesses dans ta main, c'est pour la gloire de son nom. Ne t'enorgueille jamais. Parce que de là où tu es, tu peux redescendre plus bas. Qui es-tu parce que tu as des biens et tu te prends? Qui es-tu? Le Dieu qui t'a transféré tes choses peut te la retirer en un clin d'œil. Et même pire, il peut te retirer le souffle de vie. Et qui lui demandera des comptes? Qui lui demandera des comptes? Frère!
fassions confiance entièrement à l'Éternel, notre Dieu. Joseph d'Arimathée s'en va et il réclame, il récupère le corps du Seigneur. Et la Bible dit qu'il va. Il avait fait un sépulcre, mais dans un roc. Et vous savez que Jésus est le roc. Alors il reprend le roc pour mettre à la place du roc. Il reprend le roc pour remettre à la place du roc. Il reprend le roc pour mettre à la place du roc. En réalité, il est allé et il a dit, le monde ne doit pas régner dans l'église. Le monde ne doit pas régner sous l'église. Alors Pilate, toi qui symbolises le monde, donne-moi Jésus. Il prend Jésus et il le repositionne dans le roc. Il repositionne Jésus. Mais il avait fait un investissement. C'est que ce sépulcre, il a fait creuser cela. Il était tout neuf. Tu investiras dans le royaume de Dieu. Tu investiras pour le Seigneur. N'oublie pas ces choses. Ça veut dire quoi? Dieu élèvera des gens qui sont nantis. Dieu élèvera des gens qui ont l'argent. Dieu élèvera des gens qui sont influents. Pas parce qu'ils ont forcément l'argent, mais aussi parce qu'ils sont remplis de la vie de Dieu. Et quand ils arrivent, ils sont influents. Personne ne peut résister à ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent est comme un décret du ciel. Et elle s'impose à toute chair. Elle s'impose à toute chair. Joseph d'Arimathée. Un homme riche et disciple de Jésus. Combien de fois, quand les gens ont peu d'argent, ils disparaissent. Voici quelqu'un qui était riche, mais il est resté dans la maison de Dieu. Et il n'est pas resté dans l'ombre. Il s'est montré lorsque il devait se montrer. Il est allé se présenter devant les autorités. Oui, Dieu te lèvera pour que tu parles à ceux qui sont à ton niveau. Dieu te lèvera pour que tu parles à ceux qui ont ton niveau. Bien-aimé, j'ai évoqué les deux aspects. Quelqu'un, donc, seront appelés au ministère, mais d'autres seront influents dans la vie sociale. À l'instar de Joseph d'Arimathée ou à l'instar de Jérémie, les gens seront influents. Toujours est-il que nous serons tous influents, mais chacun dans le domaine pour lequel Dieu nous a appelés. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Alléluia! Parce que voici, Dieu... Alors, j'ai une parole pour quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un ici que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer devant toi. Et si tu pensais que la porte était fermée, la Bible dit que Jésus est la porte. Ça veut dire que là où tu arrives, s'il n'y a pas de porte, Jésus se met là, ça se transforme en porte. S'il y avait des murs en bunker, là où Jésus arrive, net, ça se transforme en porte. Alléluia. Et tu passeras. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut ce jour t'équiper pour cela. Nous allons tous nous tenir debout dans la présence de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur.